Bonjour à tous, bonjour les biquettes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait super plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc avant que je continue, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et à cocher la cloche. Merci à vous, si vous pouvez faire tout ça, ça fera connaître et avancer ma chaîne. Bon, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Oh My Dog. C'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait pas mal de vidéos que vous pouvez toutes retrouver sur mes playlists de ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Donc là, on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler de la pêche. Le jeu de la pêche vient de se lancer. Je vous ai déjà fait quelques vidéos sur ça si vous souhaitez les voir. Donc n'hésitez pas. Là, sur cette vidéo, je vais vous parler des appâts. Alors, comme vous savez, avec la pêche, vous allez devoir pêcher pas mal de petits poissons pour pouvoir avancer, monter, etc. Voilà, dans le niveau. Donc là, je suis déjà à presque 70 pêches. Voilà, ça avance doucement, mais sûrement. Donc ici, vous avez différents instruments pour monter votre canne à pêche. Voilà, dont les appâts. Les appâts qui se mettent ici. Alors, vous aurez des appâts illimités. Donc, ce sont des boules de viande comme ça, appâts collants. Appâts pour poisson fait à partir de farine de maïs. Donc ici, celle-ci, vous aurez illimité. Donc, vous pourrez l'utiliser autant que vous voulez. Vous pourrez choper tout type de poisson. Après, vous aurez plus ou moins de chances d'en avoir des gros, des moyens, des petits, des rares, des pas rares. Voilà. Hop, là, j'ai chopé un violet et un gros. Je le chope, voilà. Donc pas mal de poissons à avoir et économiser. Donc, fort à mesure que vous jouez, eh ben, vous allez monter. Vous allez... Oh, aquarium, voilà. Vous allez ajouter pas mal de petits poissons grâce aux appâts. Donc les appâts vous permettront de choper des poissons plus ou moins rares. Donc l'appât normal... vous donnera des chances d'avoir de tout type de poissons, plus ou moins, même si vous augmentez les autres composants de votre canne à pêche. Après, je vais vous montrer. Vous pouvez avoir différents appâts dans le magasin. Ces appâts vous coûteront des... là, c'est des tickets. Donc, les tickets, c'est vos tickets d'or. Donc, vous voyez, vous avez tous ces différents appâts. Chaque appât est différent et vous donnera aussi un poisson différent. Je vais vous acheter tous les composants. Donc là, vous voyez, ça me coûte alors 150. Les deux là, ça fait 150, ça fait 300. Plus là, ça fait 150, ça fait 450. 450, 500. 550, 600, 750, 700, 775. Avec tout ça, ça vous coûte 775 si vous le prenez une fois de chaque. Une fois que vous avez ça, vous allez ici, voilà. Et là, vous avez tous les différents appâts que vous avez dans votre inventaire. Donc pour l'instant, là, vous pouvez acheter... Après, il faudra voir si vous pouvez les gagner. J'ai pas encore regardé si on peut les gagner quelque part. Je vais les regarder si on peut les gagner, par exemple, ici, dans les tâches ou pas. Ici, il n'y a rien du tout. Là, dans hebdomadaire, peut-être que ça reviendra après. Et dans les performances, non plus. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils devraient mettre quelque chose spécialement performance par rapport aux pêches. Ça se fera peut-être après. Enfin, bon. Il y aura peut-être des événements qui vous donneront des appâts et tout. Alors, vous voyez, chaque appât vous donne un effet différent. Donc, le trèfle, c'est un artefact essentiel pour un collectionneur réussi. Donc, en gros, le trèfle à 4 feuilles, ça vous donnera la chance d'avoir des plus gros poissons. Voilà, ça vous coûte plus cher, mais ça va, vous perdra avec plus voir des poissons. Pour celui-ci, appât grenouille. De nombreux poissons d'eau douce aiment manger des grenouilles, mais les poissons... charognard les déteste vraiment. Donc si dans les poissons, dans les commandes qui sont là, ils vous demandent des poissons charognards, vous comprenez bien qu'il vous faut pas d'appât grenouille pour les attraper.
Voilà, sinon vous les aurez pas. Après, ici, commande, vous avez les différents poissons. Donc ici, vous voyez les différents poissons qu'il y a. Si vous savez pas quel poisson il faut ici, par exemple là, il faut poisson feuille, c'est écrit ici dans les archives. Dès que j'aurai une archive complète, je vous ferai une vidéo pour vous montrer tous les poissons qu'il y a et ce que c'est comme différents poissons des archives. Vous aurez plusieurs îles. Dans différentes îles que vous aurez des poissons différents. Donc, je vous les montrerai. Il me manque 4 ici dans cette île pour vous montrer. Donc là, je continue. Donc là, vers de terre, la plupart des poissons de taille moyenne aiment manger les vers. Il semble que certains petits poissons les aiment aussi. Donc en gros, ça prend surtout des moyens et un petit peu de petits, mais pas vraiment de gros pour les appâts de vers. Pour les appâts papillons, les petits poissons aiment manger des papillons, qui semblent également très appréciés par d'autres créatures. Donc vous pêcherez des petits poissons, ils mangent des papillons, et vous aurez d'autres créatures que des poissons. Donc si vous cherchez tout ce qui est crabes, crustacés, des trucs comme ça que vous pouvez avoir, vous voyez quand je vais là dans l'aquarium, vous avez des tortues, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des crabes, là des mollusques, des escargots, vous voyez. Il faut plutôt ce type de nourriture, donc voilà. Après les appâts de vers à soie. Les créatures aquatiques adorent le ver à soie. Donc c'est aquatique, logiquement vous aurez un peu de tout. Créature aquatique, c'est tout ce qui est dans l'eau quoi. Vu que c'est dans l'eau, voilà. Donc ça c'est un ver à soie. Appât magnétique. Il aurait des trésors cachés dans l'eau. Donc ça serait plutôt si vous cherchez tout ce qui est trésor, ver, vous aurez pas mal de petits autres que des créatures aquatiques justement à pêcher et pouvoir vendre. Donc là, si vous souhaitez surtout vendre des objets, c'est ça. Après, vous aurez appât décomposition. Les gros poissons n'aiment pas l'odeur de la chair pourrie, mais cela peut aussi attirer certaines créatures spéciales. Donc là, vous avez bien compris, ça n'attaque, tout ce qui est gros poissons, vous ne les aurez pas, mais tout ce qui est créatures spéciales, vous les aurez. Après, qu'est-ce qu'ils entendent par créatures spéciales ? Saumon cerise peut-être, c'est spécial. D'ailleurs, c'est mon premier jaune que j'ai. Il n'y a pas écrit créature aquatique, petit poisson, moyen, mon poisson moyen. Là, il n'y a pas de spécial, j'ai pas de spécial. Et vous voyez, il y a écrit là, créature aquatique, petit poisson, gros poisson, créature aquatique. Donc vous voyez un petit peu ce que vous pouvez pêcher. Donc je reviens. Donc là c'est ça. Donc après vous avez appât araignée. Le poisson moyen déteste les araignées, mais il peut attirer certaines créatures spéciales. Donc c'est pareil que l'autre en haut. Mais sauf que là, vous aurez les créatures spéciales, mais pas les moyens. Après, appât crevette rouge. Crevette rouge que les petits poissons ne peuvent pas offenser par la nourriture de nombreux gros poissons. Alors, crevette rouge que les petits poissons ne peuvent pas offenser et la nourriture de nombreux gros poissons. Donc ça, les crevettes, c'est seulement si vous cherchez des gros poissons. Appât palourde. La plupart des créatures aquatiques n'aiment pas les palourdes. Donc en gros, tout ce qui est créature aquatique, vous ne les aurez pas avec ça. Ce sera autre chose. Les appâts sauterelles, donc ce sera le dernier, nourriture que la plupart des poissons et des créatures aquatiques acceptent. Donc en gros, tout ce qui est poissons et créatures aquatiques, vous pourrez les avoir avec appâts sauterelles. Donc voilà, vous voyez les différents appâts, donc ils sont tous différents. Donc actuellement, c'est tout ce qui est là. Donc comme je vous ai dit, c'est quoi, 675 ou 775 pour tout avoir, pour avoir au moins un de chaque. Voilà, vous aurez 10, donc vous pouvez faire 10 tirages sur chacun d'eux. 10 pêchages avec chacun d'eux. Tout dépend de ce que vous rechercherez dans les commandes. Voilà, donc à bien regarder avant de pêcher ce que vous souhaitez avoir. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et à cocher la cloche. Merci à vous si vous pouvez faire tout ça. Ça fera connaître et avancer ma chaîne. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne game. Et on se retrouve à bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao, ciao.